C'est un plaisir de vous recevoir ce soir, Amanda. Je suis enchanté. Ah, bonsoir. Hein. Moi aussi, je suis enchanté, évidemment. Ouais. Oh, c'est de l'humour de grosse tête. Ah, oui. Je ne suis pas enchanté, évidemment. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, je suis enchanté. Ah, on rigole, mon canaille, ou mon rigole. Je devrais plutôt dire mon caillou, parce que quand on voit la forme de ta tête... Oui, oui, ça va, ça va. Ça me fait penser à cet acteur magnifique des années, je ne sais plus, international, comédien, chanteur aussi. Ah bah oui, Bruce Willis. Sim, ah, Sim. Alors là, cet homme-là, mais une nature. Vous l'avez fait démarrer dans un petit cabaret. Oui, oui, ça va, ça va. Bon, bon, alors, bon, alors, tout le monde veut connaître votre âge, n'est-ce pas? Vous avez toujours refusé... Ben, quoi? On va m'emmerder avec cette question. Ben, oui, ben bon. On ne demande pas l'âge d'un homme d'une femme. Hein, attention, hein. C'est comme si on demandait à David de choisir son camp. Hein. Oui. Tu peux pas, mon petit canard. Je ne sais pas. Voilà. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Bon. Mais, j'avais prévu que vous ne vous dévoileriez pas. Hein. Ah, ce qui est dommage pour ton audimat, mon petit chou. Non, non, mais dévoilé dans... Bon, alors. Mais monsieur Vandenbroek, vous êtes fou? Vous avez engagé un médecin de télé? Ah, mais je t'avais dit que je l'avais vu à la télévision. Non, mais oui, mais d'accord, mais bon. Si vous aviez ne fût-ce que 3 neurones connectés ensemble, vous auriez tout de suite su que je suis l'homme de la situation. Ah, mais vous travaillez à la télévision. Si vous aviez besoin d'un cerveau, ça serait. Bon, il est charmant. J'avais oublié qu'il était charmant. Bon, mais pourquoi lui, monsieur le ministre? Oh, bah, d'abord, pas trop, hein, ça, parce que c'est quand même. D'abord, parce que le COVID vous oblige à rester chez vous. Hein. Oui. Donc, du coup, Dr House, c'est marrant. Hein. C'est marrant. Non, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. C'est complètement délirant. Mais ça... Il est très fort. Oui, mais il est très fort. Bah, oui, mais... Et Dr House, oui. Selon toi, d'où vient la calvitie de monsieur de Warzel? Vas-y. Je ne vois qu'une seule possibilité. C'est un lupus. Il est fort. Il est fort. Mais non, mais attendez. Non, mais attendez. Le Dr House n'existe pas. C'est un personnage fictif. C'est un comédien qui joue le rôle. Il s'appelle, comment il s'appelle? Hugh Laurie. Non. Non. Laurie, c'est une chanteuse française. Mais non, je serai là, toujours pour toi. Je serai ta meilleure ministre. Non. Bon, alors, puis-je vous demander de regarder ce qu'il y a en dessous de la table? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une surprise? Oui, c'est ça, une surprise. Ah, j'adore les surprises. Vous savez que certains de mes amants... qui a gardé en dessous de la table, ont vu des surprises. Alors, on va voir. Bon. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite machine, là? C'est un rouleau, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un détecteur de mensonges, ah, voyez-vous. D'accord. Et à cet égard, nous saurons quand vous dites la vérité ou pas. Alors, voulez-vous bien vous y soumettre? Ah, il me parle de soumission, maintenant. Non, mais... C'est érotisant, oui, bon papa. Tu sais, c'est comme quand on fait l'amour pour la première fois. Enfin, tu verras. La première fois où je serai soumis en faisant l'amour? Non, la première fois où tu feras l'amour, mon petit chat. Bon, bon, quand alors, on voit ta tête, je me demande si ça a déjà été fait. Non, bon, oui, oui. Je ne sais pas. C'est bon, merveilleux. Mettez votre doigt là. Et c'est si gentiment demandé. Ben, oui, oui. D'habitude, c'est le contraire, mais enfin bon. Ça m'émoustille déjà. Voilà. Au fond, avec Laurie, la chanteuse, non, c'est pas normal. Hein. Trouble de la vision et déficience mentale. Je ne vois qu'une seule possibilité. C'est un lupus. Non, il est fort, hein. Mais c'est non, il est. Merci, non, c'est n'importe quoi, parce que dans tous les épisodes, vous diagnostiquez un lupus. Alors, pardonnez-moi, vous êtes médecin? Moi, non. Non. Non, parce que je vois autour de cette table toutes des gens qui se prennent pour des médecins. Ben, pas vrai, docteur Tornade? Et quant à vous, c'est clair, vous souffrez d'une... un trouble de somnolence, une micro-sieste narcoleptique, doublée d'une paralysie temporaire des zygomatiques qui vous empêche de rire aux blagues pourtant excellentes de comédiens de génie. Je ne vois qu'une seule possibilité. Oui, ça va, on a compris. C'est un... Ça va, c'est un lupus. Non, c'est une grosse feignasse. Je t'adore, je suis cynique et marrant. Il n'aime pas trop ça, il n'aime pas trop ça. Docteur Rose, arrêtez avec vos... Vous savez, vous savez, personne n'est malade ici. Hein. Alors, pour savoir que la dernière fois que j'ai subi un test, on m'a diagnostiqué un petit truc au niveau de la prostate. Bon. Sous prétexte que j'étais enceinte du Covid ou de la Covid, je ne sais même plus si c'est masculin ou féminin, j'en sais rien. D'autant, autant vous dire que depuis lors, chez moi, les tests circulent. Les tests circulent. Ah, les tests, ils reculent. Ben oui, il est sourd en plus. Bon, en même temps, ça m'étonne pas, ça rend sourd. Hein. Ça va. Ah, bon, ça va. Tout le monde ment. Oui, mais est-ce qu'on peut parler des vaccins?
Alors, est-ce qu'on peut parler des vaccins? Je dirais que ce n'est pas la bonne question. La question, c'est est-ce que vous êtes en mesure de comprendre ce que je vais vous expliquer? Oui, bon, alors, il est charmant. Il est charmant. Bon, monsieur Van... bon, alors, monsieur Van... que pouvez-vous nous dire sur ces vaccins? Alors, le vaccin sera efficace sur 95% du corps. Oui. Donc, il reste quand même 5% de chances de contracter le virus. Le Covid? Non, le lupus. Le lupus. Mais arrêtez avec ce lupus, arrêtez! Bon, et quand donc arriveront ces vaccins? Januari, c'est ça qu'on veut dire. Ah, januari, janvier, ah. Ouais. Oui. Ce qui nous donnera donc le temps de faire de la vaccination en février. Ah, très bien. 2024. Oui, je vais, on leur explique. Oui, on va leur en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a commandé les vaccins au Luxembourg. Mais... et le patron, qui est très sympathique, hein, mais qui est à la base un vendeur de voitures. Comment s'appelle-t-il déjà? Non. Willy Mayer. Mais ça recommence comme pour les masques, mais non, vous êtes fous. Mais alors... bon, et après... Oui. Et alors, après, il a commandé les vaccins dans la Chine. Oui. Et puis qu'ils, lui-même, ils ont sous-traité dans les îles... allez, les Galapagos. Galapagos. Les îles Galapagos. Oui, c'est ça. Et puis là, le vaccin devait être amené en pirogue via la Bolivie et le Danemark. Mais on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les îles Galapagos? Il y a des animaux. Ah, je me suis renseigné un petit peu. Tout le monde est d'accord pour dire que tu es le plus beau, tu es le plus charismatique et tu es le plus intelligent de la bande. Donc, bah, tu vois qu'il fonctionne. Bon, voilà, t'as compris. Il marche très bien. Ça va, ça va. Moi, je t'adore d'ailleurs, hein. Piacere, j'adore l'Italie. Bon, alors, pour la question, je suis né en Écosse plus précisément. En Écosse maintenant. Voilà, hein. D'ailleurs, j'ai une photo qui en atteste, puisque voilà, on me voit me baigner dans un très célèbre loch. Voilà. Les animaux. Hein? Des tortues, Franck. Il y a une tortue. Alors, on s'est dit, on va attacher à la carapace de la tortue. Le vaccin qu'on va acheminer vu qu'elle vigre, elle migre. Ça ira. Bon, non, arrêtez. Bon, alors, attendez. Et comment allez-vous vous y prendre pour déterminer qui sera prioritaire pour ce vaccin? Ah, ça, c'est facile, ça. Ah, c'est facile. On va faire un loto. Un loto? Enfin, mais vous mentez. Non. Tout le monde ment. Malheureusement pour vous, pas lui. Mais ce qu'on va faire, c'est que les gens qui auront au plus proche des 6 numéros seront vaccinés. Mais les autres ont quand même une chance de retenter la chance. Hein. Ah, c'est ça. Oui. S'ils croient qu'ils changent une vie, jamais le slogan n'aurait été si juste. Oh, il est marrant, il est cynique. Oui, c'est un loto, mais c'est n'importe quoi le loto. Hein. Mais vous avez aussi pensé à une autre procédure, apparemment. Oui, on a pensé à une autre procédure. Les gens vont le faire eux-mêmes. Quoi donc? Le vaccin. Vous savez, c'est stupéfiant, ça je ne savais pas. Hein. Mais tu ne peux pas tout savoir. C'est pas parce que ta tête ressemble à un buzzer de questions pour un champion que tu sais tout, mon coco. Hein, voilà, tout simplement. Bon, vous avez eu... Noël, elle n'en peut plus, là. Vous avez une relation avec Dali. Oui, alors là, oui. Tout le monde veut savoir si j'ai une relation avec Dali. Ben oui. Alors, j'ai une relation avec Dali. Oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand on a une relation avec Dali, c'est... après avoir passé quelques nuits avec lui, je comprends pourquoi il a une passion pour ces petits montres molles. Vous oui, savez, ça va, oui, on a compris. Merci pour lui, merci pour lui. Savoir. On va déposer la formule sur le site de SPF Santé. Attendez, les gens n'ont pas le matériel pour créer... Si, c'est pas compliqué à trouver. C'est pas compliqué à trouver. Regarde ce qu'on a ici, on a une petite boîte que tu peux trouver partout et ça s'appelle le petit chimiste. Mais le petit chimiste, c'est n'importe quoi, on ne peut pas... Ou alors, on a une autre solution. Ah, enfin, du bon sens, laquelle? Oui, c'est que le gouvernement fédéral s'organise. Ok, donnez-moi la boîte. Et encore, il ne vous a pas dit le meilleur. Quoi ça? Hein? Le vaccin. Il va falloir le prendre en suppositoire. Ah non, ça c'est pas... Non, dites-moi que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Écoutez, déjà que le gouvernement vous a habitué à vous le mettre dans le lupus... Non, bon, alors... Je ne suis pas sûr qu'il voudrait d'une femme, hein. Ah ben écoutez, il y a des petites techniques, hein, mon ami, voilà, vous vous mettez devant eux... Hein, je me mets toute nue, je fais le poirier, ils auront l'impression d'avoir un barbu en face d'eux. Oh. Avec un long nez. Avec? Non, c'est pas grave. Alors, parlons un peu de votre spectacle. Vous allez y parler de votre vie, c'est ça? Ah, enfin une question intéressante. Bon, alors, oui, oui. Bon, alors je vais parler de mon spectacle. Oui, ce sera du 15 au 18 mars que je vais le roder à Paris.
en 2021. Quatre soirs seulement, c'est un peu léger pour le rodage. Ah non, 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 c'est une seule représentation du 15 au 18 mars. Évidemment, je parle de ma vie, donc il y a beaucoup à raconter. Ah oui, d'accord, oui. Ça va être génial. Voilà, donc de 15 au 18 mars, une seule date. D'ailleurs, j'ai trouvé un titre, ça va s'appeler « Amanda Lear », tout sobrement, « Le One Man Show ». Non, le One Woman Show. J'ai l'impression que tu me cherches, toi, non? Mais non, mais... Alors, ce que je vais te proposer, c'est que je vais l'appeler « Amanda Lear », le one, je fais ce que je veux, c'est ma vie et pas la tienne et je t'emmerde, show. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, tout simplement. Messieurs, dames, j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie. Sachez que je vous aime, que j'adore la Belgique, que j'adore ce pays. Vous êtes merveilleux. Merci. Bonsoir.